De son Excellence Madame la Ministre Denis, que la remise reprise ait lieu aujourd'hui. Le secrétaire général sortant a décidé de ne pas se présenter. Sur ce, nous allons demander aux auxiliaires de la justice qui étaient requis pour cette raison de pouvoir les constater. Vous allez constater avec moi qu'en dépit de la lettre lui écrite par son Excellence Madame la Ministre des Mines, il a décidé de s'absenter. Il n'est pas là. Donc nous venons de constater son absence
Et quand cela ne tient, ce n'est pas lui qui va freiner l'évolution normale de l'administration. Nous avons décidé d'exécuter la décision de son Excellence Madame la Ministre des Mines, qui est fondée sur l'affectation de son Excellence Monsieur le Vice-Premier Ministre, ministre de la Fonction Publique, qui à son tour n'a fait qu'exécuter une ordonnance présidentielle en notifiant le secrétaire général Ramazan Ibouktou. Donc, aujourd'hui, conformément à cette ordonnance, suivant l'affectation de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier Ministre, ministre de la Fonction Publique, la décision de la remise et reprise de son Excellence, Madame la Ministre des Mines, nous venons de procéder à la remise et reprise. Et pour les comptes du secrétaire général ad intérim, M. Mboma, il y a le directeur des ressources humaines. Le directeur des ressources humaines, M. Mboing, il va procéder de manière formelle à cette passation de pouvoir. Et après ce moment-là, nous allons tous considérer que le secrétaire général provisoire, tels sont les termes de son Excellence Monsieur le Vice-Premier Ministre, Ramazan Ibouktouba va entrer en fonction juste après cette cérémonie. Le secrétaire général aux mines en fond, M. Jacques Ramazan Ibouktouba. L'an 2022, le 9e jour du mois de juin, nous, Théo Mboma Jobissala Breloc, assimant l'intérim du secrétaire général aux mines, suivant la lettre du 29 juin 2021 et numéro CAB mine MKN 1977 par 3 2022 17 juin 2022 de son Excellence Madame la Ministre des Mines, mettant fin à cet intérim. Et Jacques Ramazan Ibouktouba, secrétaire général des Mines, affecté aux Mines, conformément à l'arrêté ministériel numéro 048, CAB VPM, Fonction publique, JPL 2022, du 1er juin 2022, de son Excellence le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, est notifié par la lettre référence Bureau SGA Fonction publique 0883-2022 du 2 juin 2022 de Madame le Secrétaire Général à la Fonction publique chargée des actifs, avons procédé à la remise et reprise en présence des messieurs Michel Kibongé Nyekouma, directeur de cabinet de son Excellence Madame la Ministre des Mines, Benjamin Mananga Matundu, conseiller administratif et financier au cabinet de son Excellence Monsieur Madame le Ministre des Mines, Guy Kabinda Kakamba, conseiller en charge de l'artisanat minier et développement communautaire au cabinet de son Excellence Madame la Ministre des Mines, Grégoire Mboindipova, directeur chef de service des ressources humaines de l'administration des mines, Albert Founi Mukata, directeur coordinateur de la cellule technique d'appui au secrétariat général des mines, Martin Kalaki Bamenga, chef de bureau et président de la délégation syndicale des mines, Jean-Claude Moulamban Sokola, chef de division, membre de la délégation syndicale. Après avoir pris connaissance de tous les dossiers biens et mobiliers,
dont liste annexe de la présente, et en foi de quoi nous avons dressé le présent procès verbal au jour, mois et an que je suis. Pour la remise de prise, pour la remise, le secrétaire général AI, aux mines sortantes, Théo Mboma Zodisala Breloc, le secrétaire général aux mines entrant, Jacques Ramazani Lutuba. En présence de M. Michel Kibongé Nyakouma, directeur du cabinet de son excellence, Madame la ministre des Mines, M. Benjamin Mananga Matundu, conseiller administratif et financier au cabinet de son excellence, Madame la ministre des Mines, M. Guy Kabinda Kakamba, conseiller en charge de l'artisanat minier au cabinet de son excellence, Madame la ministre des Mines, M. Grégoire Mbongipouba, directeur chef de service des ressources humaines de l'administration des mines, M. Albert Fungi Mukata, directeur coordinateur de la cellule technique d'appui au secrétaire général aux mines, M. Martin Kalaki Bamenga, président de la délégation syndicale des mines, M. Jacques Jean-Claude Moulamba, Sokola, chef de division, membre de la délégation syndicale. Dans le cadre de la réforme de l'administration publique, il a été organisé un concours. Avant cela, on a procédé à la formation des directeurs qui devraient devenir secrétaire général au MIN. Le secrétaire général Jacques Ramazani Lutuba, que vous voyez, avait bénéficié d'une formation organisée par l'École nationale d'administration. Il avait satisfait au concours aussi organisé à cet effet. Il a été nommé comme secrétaire général par ordonnance présidentielle. Il a ensuite été affecté par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, à l'administration de Mines. Il vient d'être notifié par le secrétaire général chargé des actifs. C'est donc légitime et de bon droit que son excellence Madame la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambay, puisse mettre fin à l'intérim qu'assumaient les directeurs
Bomas Wapisal et de passer le pouvoir à M. Jacques Ramazani Lutuba, qui a été nommé par ordonnance présidentielle, qui a été affecté par les vice-premiers ministres, ministres de la fonction publique. Amen. Et à partir du moment, le secrétaire général aux mines, c'est bel et bien M. Jacques Ramazani. Secrétaire général Jacques Ramazani Lutuba, de poursuivre les programmes d'assainissement et de rationalisation des effectifs au sein de l'administration des mines. Amen. 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 Programme décidé par le gouvernement de la République. Amen. Je pense, en ce qui me concerne, c'est à ces mots que je clôture cette cérémonie de remise. Je suis déjà déformé par ma carrière professionnelle, je suis fonctionnaire. J'ai beaucoup de droits de réserve. Parce que je vois, il y a beaucoup de membres de presse ici. Beaucoup de droits de réserve. Mais je ne peux pas louper cette occasion sans pour autant adresser mes remerciements aux autorités. Mes remerciements au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, qui m'a affecté pour assumer la charge de l'administration du ministère des Mines. Tous mes remerciements à son excellence, madame la ministre des Mines, qui m'a notifié, qui a accepté que je travaille à ses côtés. Je les remercie sincèrement. Pour moi, c'est un jour de joie, mais c'est un jour aussi de responsabilité. Parce que j'ai été en contact avec beaucoup d'amis, je suis d'ici, on se connaît. Je sais que les attentes sont énormes. Je suis conscient de ça. Et je sais que nous avons des défis à relever. Nous avons beaucoup de défis à relever. Les défis matériels, les défis personnels, comme vient de le dire le table ici. Les défis du personnel, vous voyez, il y a aussi les défis financiers. Il y a un nouveau code qui a été promulgué. Le chef de l'État tient à ce qu'il y ait amélioration des conditions de vie des gens. Il tient à ce qu'on puisse tenir compte de la population pour qu'elle puisse améliorer ses conditions de vie. Et le code que nous avons la charge d'appliquer, c'est tout nous l'administration. C'est nous qui avons la plus grande responsabilité pour l'application de ce code. Nous devons toujours nous souvenir du mot d'ordre du chef de l'État pour dire que nous devons faire un effort pour que le peuple puisse vivre dans les bonnes conditions. C'est possible, c'est faisable. Je ne serai pas long. Je vous remercie vous tous pour l'enthousiasme avec lequel vous êtes venus et l'enthousiasme que vous avez témoigné à mon égard. Je suis très content et je tends ma main à tout le monde. Je tends ma main au directeur Mboma parce que j'ai été au téléphone avec lui hier. Je tends ma main à tout le monde. Et j'espère que nous allons travailler dans la convivialité parce que nous avons tous grandi ici. Nous sommes arrivés trop petits, on était dans la trentaine, d'autres étaient encore dans la vingtaine, mais là nous avons des cheveux blancs. Je souhaite que nous puissions travailler. Vous voyez, travailler là où vous avez vécu, c'est un atout. Ça peut être aussi une faiblesse. C'est un atout parce que vous connaissez tous les rouages, vous connaissez aussi les personnes ressources, vous connaissez tout le monde. Mais ça peut devenir une faiblesse s'il n'y a pas de collaboration. Je souhaiterais, je vous prie, que l'on puisse collaborer et que l'on puisse remonter la situation parce que vous êtes conscient avec moi que la situation est très difficile. Oui. Voilà un peu la réponse que je voulais. Le mot que je voulais.
vous le savez tous que le directeur Boma Zouabissala était en train d'assumer l'intérim au secrétariat général de mines. Et à ce jour, en exécution de l'ordonnance présidentielle de l'affectation du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, et de la notification du secrétaire général chargé des actifs de la fonction publique, Madame la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambay, a mis fin à l'intérim de M. directeur Boma et a accepté ou a décidé d'exécuter les textes dont je venais d'évoquer tout de suite. C'est-à-dire, le directeur Jacques Ramazani Lutuba, qui est devenu aujourd'hui secrétaire général, avait participé à la formation de l'administration nationale, de l'école nationale d'administration, et il avait satisfait au concours qui avait été organisé à cet effet. C'est compte tenu de cela que le président de la République l'avait nommé par ordonnance comme secrétaire général. Et le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, l'a affecté avec l'acceptation, bien sûr, de son Excellence Madame la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambay. L'a affecté ici à l'administration de Mines. Vous comprendrez donc, c'est légitime et de bon droit que son Excellence Madame la ministre des Mines a décidé la cérémonie d'aujourd'hui. Amen. J'ai saisi aussi cette occasion pour apaiser nos amis que nous appelons standardistes, nos amis de la direction standard. Madame est maintenant dans cette logique-là, comme elle a toujours été, d'appliquer les textes. C'est toujours dans cette logique qu'il a demandé au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, d'envoyer l'inspection générale de l'administration. Et cette équipe des inspecteurs a presque fini son travail. Et à l'issue de ce travail, sachez bel et bien que les standardistes qui sont aussi là conformément au texte seront affectés. Donc ils doivent être apaisés. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire présentement. Je demanderai peut-être au secrétaire général, qui est devenu aujourd'hui secrétaire général, à partir d'aujourd'hui c'est lui le secrétaire général aux mines, de dire un mot. Que je n'ai pas grand chose à vous dire aujourd'hui. Je vais tout simplement reprendre ce que j'ai dit dans la salle. Ceux qui étaient dans la salle, ils savent déjà le contenu de mon petit message que je vais faire tout à l'heure. Je commence par remercier leurs excellences, Monsieur le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Monsieur Liaou, son excellence Monsieur Liaou. Je remercie son excellence Madame Samba Kalambay pour avoir porter leur choix sur ma modeste personne. Tous mes remerciements. Je profite de cette opportunité pour vous signifier que le défi est grand. Nous avons un grand défi à relever. Nous avons un défi matériel. Regardez dans quelles conditions nous travaillons. Ça, c'est un grand défi. Nous avons un défi humain. Ceux qui étaient dans la salle, ils ont compris pourquoi je parle du défi humain, parce que le directeur du cabinet est revenu là-dessus. Nous devons tous nous connaître. Chaque directeur doit connaître les gens avec qui il travaille. Amen.
et il doit connaître les rendements de tout un chacun ainsi que les capacités. C'est très important. Nous avons aussi un défi financier. Le défi financier, c'est lequel? C'est d'appliquer les codes de règlement. Si les codes de règlement miniers ont été amendés, ils ont été modifiés, c'est pour permettre à ce que l'État puisse avoir suffisamment de ressources. Et c'est ce qui va nous permettre de prétendre à bénéficier à suffisamment de rétrocessions. Nous devons aussi faire un effort pour que les sociétés minières puissent appliquer. Nous devons faire appliquer les lois de la République de manière à ce que les populations impactées par les activités minières, cette population puisse bénéficier des avantages liés aux activités qui sont développées dans eux. Et c'est ça, même le cheval de bataille du chef de l'État. Le chef de l'État, parmi les créneaux, parmi ses objectifs, c'est de faire un effort pour que la population puisse améliorer sa condition de vie, que la population puisse vivre dans de bonnes conditions. Et ça, c'est notre responsabilité. Vous voyez le niveau de responsabilité que nous avons. C'est vraiment un défi que nous devons relever. Je n'ai pas de discours à faire. J'espère que nous avons nos canaux, les canaux qui vont nous permettre d'échanger pour que tout le monde puisse participer au travail que nous allons faire. J'étends ma main à tout le monde. Nous avons tous grandi ici. On était venus, on avait la vingtaine, la trentaine, mais on a maintenant des cheveux blancs ici. Et ceux qui viennent d'arriver, qu'ils fassent un effort pour qu'ils puissent avoir aussi des cheveux blancs ici. Amen. Parce qu'il y a du travail pour tout le monde. Amen. Il y a du travail pour tout le monde, mais dans l'ordre et suivant les règlements. Amen. Le fonctionnaire, c'est celui qui est chargé d'appliquer les textes et règlements. Voilà ce que je voulais vous dire dans peu de mots. Je compte beaucoup sur la collaboration de tout le monde. Amen. Amen. Collaboration de tout le monde. Voilà un peu à résumer ce que je voulais dire. Et nous aurons une autre occasion pour pouvoir échanger et développer tout ce que nous allons faire ensemble. Merci beaucoup.